ses excès amoureux. Voyons dans le sein de Marie ce petit cœur qui n'est que feu, qui plein du Saint-Esprit s'écrie amour, amour, amour de Dieu. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon Père, à faire votre volonté. Ici, dans le sein de ma mère, je m'y soumets en vérité. Je vous adore et je vous aime. Me voilà disposé de moi. Je place au milieu de moi-même et votre croix et votre loi. Vous me faites voir à cette heure qu'il faut que j'embrasse la croix, et qu'il faut même que j'y meure. Je le veux, mon Dieu, c'est mon choix. Quoi, les hommes perdraient la vie, mon âme ne peut le souffrir. Je veux mourir, je meurs d'envie pour les empêcher de périr. Ma mère, vous m'êtes très chère. Je vous comble de mes faveurs, afin que vous soyez la mère et le refuge des pécheurs. Ce cœur dans l'amour qui le presse va trouver Jean son précurseur. Il remplit son cœur d'allégresse, de sa grâce et de sa douceur. Il nous fait voir dès son enfance les excès de sa charité. Par les excès de sa souffrance et de sa grande pauvreté, dans son étable tout nous prêche que son cœur est très amoureux, qu'il est si pauvre en cette crèche qu'il semble en être malheureux. L'amour
que ce Dieu soupire, car il lui tarde de mourir. Il court se faire circoncire pour donner son sang et souffrir au temple. S'offre tout entier pour nous. S'il fuit la charité le presse, il nous cherche, il veut nous trouver. Il cache sous cette faiblesse l'ardeur qu'il a pour nous sauver. Que ce cœur est doux et traitable, il converse avec les enfants. Il est affable et charitable, que ses attraits sont triomphants. Pour nous obtenir la victoire, il se soumet à ses parents pour nous faire éclater en gloire. Il se cache pendant 30 ans. Ce cœur court où l'amour l'entraîne. Il veut nous faible, il est hors d'haleine, il est fatigué du chemin. Il s'assit près d'une fontaine, non pas afin de s'épargner, mais c'est pour la Samaritaine qu'il veut sauver, qu'il veut gagner. Avec quelle adresse et sagesse ce cœur plein de cette pécheresse, c'est un miracle en charité. C'est par la douceur souveraine de son cœur si tendre et si doux qu'il convertit la Madeleine et qu'il la défend contre tous. Admirons la douce manière avec laquelle sans rigueur il sauve la femme.
adultère, des mains de ses accusateurs. Le voyez-vous qui s'humilie au pied du malheureux Judas? Son cœur lui dit, son cœur lui crie, mon ami, ne te donne pas. Il soupire, il verse des larmes, et Judas n'en est pas ému. Cœur tendre, au cœur plein de charme, vraiment vous n'êtes point connu. L'amour qui lui ravit la vie le fait survivre après sa mort. Il se met dans l'Eucharistie, au cœur que votre amour est fort. Dans un jardin, il pleure, il crie, il combat lui pour nous. Il est réduit à l'agonie, il est accablé sous nos coups. Il ne pleure pas sur lui-même, quoique son sang coule en ruisseau, comme ce sacré cœur nous aime, il ne peut supporter nos maux. Son cœur dans ce combat terrible surmonte tout par un effort. C'est pour nous seul qu'il est sensible. Il se lève, il court à la avec barbarie, mais sans se plaindre et sans parler. Hélas, on le prend, on le lie, on l'accable de mille coups, on le cloue, on le crucifie. Son cœur est toujours aussi doux. Il compte pour rien sa souffrance, ni tous les maux qu'il a reçus. Son cœur plein d'un amour immense dit frappez, frappez.
frapper encore plus. Je suis content que l'on m'assomme, que tout mon sang soit répandu, pourvu que l'on pardonne. Sois pas perdu. Voyez comme ce cœur ramasse son peu de force et de vigueur. Ce n'est que pour obtenir grâce pour ses bourreaux et le pécheur. Ce cœur dit plus haut que sa bouche: ô mon Père, pardonnez-le. Par là, comme leur mal me touche, vous diminuerez ma douleur. À la fin, ce cœur perd la vie, ou plutôt il ne la perd pas, puisqu'encore il est plein d'envie de souffrir après le trépas. Son Père exauce sa prière, voilà qu'on perce son côté duquel il sort une rivière d'eau, de sang et de charité. Enfin la fournaise est ouverte, enfin ce grand cœur est ouvert, enfin la cause est découverte, pourquoi Jésus a tant souffert. En le perçant, soulage, car le feu dévorant ce cœur, la lance lui fait un passage pour se rendre au cœur du pécheur. On le soulage, car le feu dévorant ce cœur, la lance lui fait un passage pour se rendre au cœur du pécheur. C'est par cette bouche sanglante qu'il dit depuis plusieurs cent ans: